stage of your career creates pressure for you? Nothing. There's no pressure. There's no pressure at all. We welcome you to Cleveland, Ohio, where many Cavs fans have been waiting over three decades. The finals here in this great sports city for the very first time. Down. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. Given everything you've been through, what's the first thing that ran through your mind? It's about damn time. An NBA champion, nobody can ever take that away from. Are you satisfied with this one ring? Absolutely not. It's back-to-back titles for the Heat. This is what it's all about right here. Can you deliver an NBA title to Cleveland? I can't promise an NBA championship to no one. I love you. I'm back. Let's go! Bring a championship to the city. I gave everything that I had. I poured my heart, my blood, my sweat, my tears to this game. Cleveland, this is for you. Oh, blocked by James. Not just 17 years, but the amount of games, the amount of moments, the amount of big moments that he's played. With all the mileage in eight straight NBA Finals appearances. He promised he would come to Los Angeles and deliver a title to the Lakers, and he did it in his second year. How would you define success for yourself as a rookie and in the long run in the NBA? Well, you know, I never say myself. I always say my team. It's not about myself. It's just about how well, as a team, we can grow, as a family, and just get better every single day. LeBron James est né le 30 décembre 1984 à Akron dans l'état de l'Ohio. Il a vécu sa vie seul avec sa mère, Gloria James. Son père, qui n'assumait pas d'avoir un enfant, est parti quand il est né. Ce qui explique pourquoi LeBron porte aujourd'hui le nom de sa mère. Gloria avait 16 ans lorsque son fils est né, et était dans une situation très précaire. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, n'avait pas d'emploi stable, et cela influait sur la vie de LeBron car il changeait souvent de logement. La fin des mois était compliquée et elle n'arrivait pas à payer ses loyers. Project. In those hard times, you see everything, from crackheads, you know, to drug dealers, to gunshots every night, to police sirens, and I think it just made me strong. Gloria James aimait plus que tout son fils et était prête à tout pour lui assurer une enfance stable, loin de la misère de sa ville. Parce que oui, lors de ces années-là, Cleveland était une ville en pleine détresse économique, remplie de violence. LeBron était un jeune garçon très intelligent et il souhaitait à tout prix pouvoir aider sa mère à s'en sortir. Il était prêt à se battre pour réussir sa vie. À 9 ans, James rencontre Bruce Kelker, un entraîneur de football américain local qui convainc Gloria de le laisser jouer dans son équipe. Sa mère accepte, elle laisse même son fils vivre chez ce nouveau coach qui a plus de moyens et qui pourra assurer une enfance tranquille à LeBron. LeBron James est à cet âge-là passionné par ce sport et il était aussi fort au football américain qu'au basket, puisqu'il était considéré comme le meilleur joueur d'Akron à son âge. Le jeune joueur aurait très bien pu faire carrière aussi bien dans le football qu'au basket. Mais après avoir de nouveau changé d'école, il rencontre un autre coach, Frank Walker, qui va aussi convaincre Gloria d'héberger son fils et va l'initier cette fois-ci au basket. Sûrement à cause de sa grande taille, parce qu'à 10 ans, LeBron James mesurait déjà plus d'1m70. Dans ce nouveau cadre familial, LeBron James, qui ratait tout le temps l'école auparavant, devient très studieux. Il apprécie son coach, sa femme et ses enfants et s'intègre dans cette nouvelle famille. Grâce à Frank Walker, il rencontre sûrement la personne la plus importante de son début de carrière, et c'est Drew Joyce. C'est avec ce coach et son équipe, les Shooting Stars, qu'il va faire ses premiers tournois de basket dans tout le pays. LeBron James commence à se faire remarquer vers ses 12 ans, tout simplement parce qu'avec son équipe, il gagnait quasiment tout le temps. C'était une team très soudée et LeBron a vite compris qu'au basket, le collectif est indispensable. Les Shooting Stars sont convoités par de nombreux lycées très cotés, mais étant persuadés de leur force collective, ils s'engagent tous avec le lycée de Saint-Vincent-Sainte-Marie. LeBron aurait pu aller dans des écoles bien plus intéressantes, mais il a décidé de privilégier la fidélité et la loyauté en suivant ses amis. Ces trois coachs ont apporté une figure paternelle dans la vie de LeBron et ses amis, la force dont il avait besoin pour s'en sortir. On comprend mieux pourquoi la star des Lakers est aujourd'hui si reconnaissant envers sa communauté. Et comme on dit, il faut tout un village pour élever un enfant. De 1999 à 2003, LeBron évolue avec ce lycée. Au début, il ne fait pas encore beaucoup parler de lui, l'équipe est jeune et LeBron est encore en première année. Mais au fil du temps, il progresse et au bout de 2 ans, le phénomène commence à se montrer. Tout en étant collectif, LeBron ne cache pas ses prouesses individuelles. Il domine son championnat et il parvient même à faire venir la télé à l'un de ses matchs. Le 22 décembre 2002, ESPN diffusera pour la première fois de l'histoire du basket high school ce match qui se déroulait devant 11 000 personnes. Et comme tu t'en doutes, LeBron n'avait que 17 ans, mais n'a pas manqué une occasion pareille pour se faire remarquer auprès des scouts NBA. Finally an opportunity to show the elevation, the windmill, the creativity, the extension, the element.
31 points, 13 passes décisives et 6 rebonds, c'est juste stratosphérique. Ce jour-là, l'équipe du King a gagné 65 à 45, et ouais, il a mis la moitié des points de son équipe. Ah oui, le King, on n'en a pas encore parlé. Mais pour la petite histoire, le surnom King James date de ses années au lycée. Son ami d'enfance Randy Mims raconte qu'il se trouvait dans un hôtel et qu'il entendait des enfants appeler le joueur King James alors qu'il n'avait que 15 ans. Outre ses capacités athlétiques, c'est aussi son QI basket et ses passes qui impressionnent. Passe aveugle ou dans le dos, LeBron sait déjà tout faire. À la fin du match, il fait déjà preuve d'une maturité surprenante au micro d'ESPN, déclarant avoir un long travail à faire, notamment sur sa défense et son tir mi-distance. Selon ses adversaires, LeBron était capable de casser tout type de défense et n'importe quel joueur pourrait les finir sur des gros dunks. D'autres expliquent que s'il voulait, il pouvait scorer 100 points à lui tout seul, mais qu'il préférait faire jouer l'équipe. En gros, le King était juste redouté de toutes les équipes qui savaient que leurs chances de gagner étaient largement diminuées lorsque LeBron était sur le terrain. D'ailleurs, si je te disais qu'à cet âge-là, LeBron s'était entraîné avec Michael Jordan. Et oui, les deux GOAT ont joué l'un contre l'autre sans que personne ne le sache. Enfin, presque. Pendant l'été, de nombreux joueurs se réunissent pour faire des matchs ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors d'un scrimmage organisé par Michael Jordan. Quelques mois plus tard, la jeune star a même déclaré que s'il avait dû passer par une fac, il serait allé à Duke ou North Carolina. Imagine les records NCAA qu'il aurait pu pulvériser s'il était allé dans une de ces deux facs. Mais comme tu le sais, LeBron veut écrire l'histoire. Et l'histoire n'attend pas. En 2003, alors qu'il n'a que 18 ans, King James se présente à la draft. The Cleveland Cavaliers select LeBron James. À la fin de ses années lycée, il y a déjà une énorme vibe autour du jeune prodige. Le plus gros magazine sportif américain, Sports Illustrated, publie un numéro historique où l'on découvre le nouveau surnom du natif d'Akron, The Chosen One. Ce premier surnom, LeBron va le garder et même le tatouer sur son dos. Ses tatouages sont d'ailleurs un bon moyen de le connaître LeBron. Sur son bras droit, il a tatoué le nombre 330 en référence au code postal d'Akron, mais il a aussi tatoué le nom de sa mère. Tous ces tatouages montrent comment LeBron est reconnaissant envers les lieux et les personnes qui l'ont aidé à se construire. Enfin bref, revenons à la draft. Il est drafté sans vraiment de concurrence en première position et il fait partie des 45 lycéens de l'histoire draftés sans être passé par l'université. C'est chez les Cleveland Cavaliers, près de chez lui, qu'il débute sa première année en NBA. On dirait que les étoiles sont alignées pour l'enfant de l'Ohio qui a toujours voulu rendre à sa ville natale ce qu'elle lui a donné. Et puis, pour la franchise aussi, c'est peut-être un nouveau départ. Depuis 1998, ils enchaînent les mauvaises saisons, ils ont changé 5 fois de coach, ce qui n'a pas pour autant porté ses fruits. LeBron pourrait donc apporter un nouveau souffle à cette équipe, et on dirait que ça a marché. Pour son premier match, il rend une copie parfaite. 25 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions. Il y a même un joueur qui a dit à la fin du match qu'il ressemblait à Michael Jordan mais en plus puissant. Il ressemblait à Magic Johnson mais en plus athlétique, et ça a surpris tout le monde. Quand on voit à qui il est comparé, des mecs au palmarès incroyable alors qu'il n'a que 18 ans, bah ça annonçait forcément une carrière en or. Michael Jordan était le joueur préféré de LeBron James, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il portait le numéro 23. Le GOAT avait pris sa retraite l'année précédente, et qui était là pour venir le remplacer? LeBron James. C'est comme si l'histoire était déjà en marche, comme si on savait déjà que LeBron était la relève de Michael Jordan. Il termine sa première année avec des stats de 21 points, 5 rebonds et 6 passes décisives, ce qui était très impressionnant pour un rookie dans les années 2000. Nommé très logiquement rookie de l'année, il est tout près de qualifier les Cavaliers pour les playoffs. Côté extra-sportif, LeBron signe un contrat de 150 millions de dollars avec Reebok. Ah bah non. À l'âge de 18 ans, LeBron refuse le plus gros contrat de l'histoire pour une marque de chaussures à l'époque. Pour lui, ce qu'il pouvait réaliser avec Nike par la suite dépassait largement n'importe quel contrat. Le King signe donc un contrat de 90 millions sur 7 ans avec Nike, et Nike n'était pas la seule marque à lui faire confiance, parce que tu verras que les sponsors vont être une des principales sources de revenus pour le joueur. Mais ça, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Pour sa deuxième saison en NBA, LeBron prend un nouvel envol. 27 points, 7,4 rebonds et 7,2 passes de moyenne. En gros, le mec sait tout faire et il le fait très bien. Il a des pourcentages de réussite bien plus intéressants que la première année avec 47% à 2 points et 35% à 3 points. On voit que LeBron a travaillé et il renforce sa fiabilité. Cette année, il bat plein de records de précocité, et The Chosen One devient le plus jeune joueur à scorer plus de 2000 points, le plus jeune joueur à réaliser un triple-double,
ou encore le plus jeune joueur ayant scoré plus de 50 points durant un match NBA. Cette saison, LeBron monte encore une fois d'un palier et c'est assez incroyable parce que chaque année, il bat de nouveaux records. Presque 32 points de moyenne avec 6 rebonds et 6 passes. C'est une dinguerie. Il est logiquement sélectionné pour la première fois au All-Star Game, mais quelque chose de terrifiant s'est produit juste avant ce match. Avant de prendre l'avion privé de l'équipe des Cavs, LeBron avait un mauvais pressentiment. I had always complained about our team. It was old. It was run down, but I always felt like something could actually happen to this plane. Après le décollage, tout allait bien. Mais à la moitié du vol, les lumières ont commencé à clignoter, l'avion tremblait et il y avait même de la fumée dans les couloirs. When I tell you, every single body on the plane from Detroit to Houston thought they were going to die. Ils ont finalement réussi à atterrir sains et saufs. Et Le King a réalisé l'un des meilleurs All-Star Games de sa carrière et remporte même le titre de MVP. Ouais, c'est assez dingue. À la fin de l'année, il dispute pour la première fois les playoffs et pour son premier match, il pose un triple-double. C'est le troisième joueur de l'histoire à réaliser une performance pareille. Les Cavs se font malheureusement éliminer en demi-finale contre Détroit, mais LeBron James a montré qu'il savait répondre présent dans les moments décisifs en ayant une moyenne de 30 points sur l'ensemble des playoffs. L'année suivante, en 2007, malgré des stats moins impressionnantes sur le plan individuel, il permet à son équipe d'atteindre les finales NBA. Mais ils ont malheureusement perdu contre San Antonio. LeBron James continue de réaliser des belles performances et remporte le titre de MVP sur la saison 2008-2009. Cette même saison, Cleveland termine d'ailleurs premier de la saison régulière. C'est totalement fou. Le King a réussi à amener une équipe qui était au fond du classement, au devant de la scène, et tout ça en seulement 5 ans. Cette saison, LeBron James est agent libre, tout comme Dwayne Wade ou encore Chris Bosh. Et c'est avec ces deux joueurs qu'il va signer à Miami pour former une équipe qui va concurrencer celle de San Antonio. LeBron annonce sa signature d'une manière inédite lors d'une émission télévisée. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, it's very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Les journalistes ont appelé cet événement The Decision en raison de l'importance du choix du King. En annonçant son changement d'équipe de cette façon, il attire quelques critiques des fans de Cleveland, mais fait de nombreux heureux à Miami. Et je pense qu'à ce moment-là, LeBron avait déjà bien réfléchi avant de prendre sa décision. Après 7 ans à Cleveland, il a déjà marqué l'histoire sur le plan individuel. Et ce qui lui manque, c'est des performances collectives. Jouer des playoffs, ça suffit pas, il faut les gagner. Et en venant à Miami, avec des joueurs de ce calibre, les objectifs de LeBron sont clairs. Gagner sa première bague NBA. Et puis le basket, c'est un peu comme sa vie, les victoires, il faut aller les chercher. À Miami, il va aussi changer de numéro, car le numéro 23 a été retiré en hommage à Michael Jordan. Il prendra le numéro 6 en référence à Julius Erving, un de ses trois joueurs préférés, mais aussi en référence aux dates de naissance de ses deux fils, Bronny James et Bryce Maximus. D'ailleurs, ses deux fils, c'est déjà des sacrés joueurs. Bronny est prévu pour la draft 2024, et LeBron a déjà pour intention de jouer avec lui, et le petit Bryce est aussi très très fort. Et puis comme on dit, tel père, tel fils. Sauf que là, bah y'en a deux. À croire que le basket se transmet dans les gènes. Pour son premier match contre Cleveland avec Miami, il se fait huer durant toute la partie. Et malgré ça, il réalise un match à 38 points et 8 passes décisives. LeBron réalise une grosse saison avec 26 points de moyenne et parvient à amener le Heat en finale NBA dès sa première année. Mais malheureusement, Miami perdra contre Dallas. Cette année, c'est la bonne. Après avoir pris ses repères dans la franchise de Floride, LeBron James va enfin remporter ce titre tant espéré. C'est la saison la plus aboutie du King avec 27 points de moyenne et surtout 40% à 3 points. Avec une telle adresse, il est tout simplement injouable. À la fin de la saison, il remporte le titre de MVP devant Kevin Durant qu'il retrouve en finale NBA. Et le Thunder porté par Durant, Westbrook et James Harden est un adversaire à prendre au sérieux. Mais comme je te l'ai dit, LeBron aime les grands moments. Et il a bien l'intention de ne pas laisser sa chance. Résultat des courses, LeBron affiche des stats stratosphériques encore une fois, et bien plus supérieures à celles de la saison régulière. 30 points, 11 rebonds et 7 passes de moyenne. Le Heat s'impose 4-1, et The Chosen One touche enfin le trophée de champion NBA. Ce rêve qu'il a depuis son enfance est enfin réalisé. Cette même année, il remporte donc le trophée de MVP, le championnat NBA et également une médaille d'or au JO. Seul Michael Jordan avait réussi à faire ça auparavant. LeBron a bien compris que s'il a plusieurs doigts, c'est pour y mettre plusieurs bagues. Un titre ne suffit pas, alors cette saison, il revient avec la même intensité et la même rage de vaincre. Il continue sur cette lancée avec le même ordre de grandeur au niveau des stats,
Et au terme d'une saison réussie, il atteint une nouvelle fois les playoffs après avoir été élu pour la quatrième fois de sa carrière MVP à seulement 28 ans. Cette année, en finale NBA, il retrouve San Antonio pour une finale de rêve. Le public va voir s'affronter le Big Three, Parker, Duncan et Ginobili, contre James, Wade et Bosch. La série est très serrée et Miami bat finalement San Antonio au bout d'un 7ème match. James remporte une nouvelle fois le titre de MVP des finales et devient le 3ème joueur avec Michael Jordan et Kareem Abdul-Jabbar à combiner plus de 2 titres de MVP, 2 titres de champion et 2 titres de MVP des finales. Le 11 juillet 2014, King James choisit de retourner à la maison aux Cleveland Cavaliers et leur fait la promesse de rapporter une bague à la ville des Cavs. Ils forment désormais un trio avec Kyrie Irving et Kevin Love, et les trois joueurs réalisent une saison incroyable et se hissent jusqu'en finale NBA. Malheureusement, les Warriors sont champions NBA en 6 rencontres, et LeBron James perd sa 4ème finale en 6 participations. L'année suivante, il se retrouve en finale NBA contre cette même équipe. Après avoir été mené 3-1, Cleveland réalise l'imaginable, en revenant à 3-3 et en disputant un match 7 à San Francisco. Ce n'était tout simplement jamais arrivé dans l'histoire des finales NBA. Mais je pense que tu commences à connaître LeBron James. À 2 minutes de la fin, les deux équipes sont au coude à coude. 89 partout, les Warriors font une bonne défense et jouent la contre-attaque. Iguodala se retrouve seul face au panier, mais LeBron James en a décidé autrement. En 2 secondes, le King vient de plier le match. Non seulement il empêche les Warriors de mener de 2 points, mais cette action renverse totalement le match et donne l'ascendant psychologique à Cleveland. Kyrie Irving va ensuite réussir un 3 points clutch, malgré une bonne défense de Stephen Curry à 53 secondes du terme. Et ça y est, LeBron James est encore une fois élu MVP des finales et champion NBA. Le King ramène à sa ville natale le premier titre NBA après 52 ans d'existence. Après cette saison encore une fois historique, LeBron fait renaître cet éternel débat entre lui et Michael Jordan. Qui est le GOAT? Personnellement, je préfère pas rentrer dans ce débat, parce que les deux ont fait des choses incroyables, mais pour un certain Scottie Pippen, ancien coéquipier du numéro 23 des Bulls, il n'y a plus de débat. Le King a dépassé Michael Jordan. C'est également cette année-là que LeBron James signe un contrat à vie avec Nike. Il est le seul avec Jordan et Cristiano Ronaldo à avoir un contrat de cette envergure. Sauf que là, on parle de 1 milliard de dollars. Cette année, LeBron James est le sportif le plus influent au monde. Après avoir renégocié son contrat l'année précédente, LeBron James devient le joueur le mieux payé de la NBA. Sur la saison 2017-2018, il gagne 33 millions de dollars et c'était le plus haut salaire jamais reçu en NBA. Je me suis amusé à faire le calcul pour que tu te rendes compte à quel point cette somme est aberrante. Il gagne 90 000 euros par jour, 3 700 euros par heure, 60 euros par minute ou encore 1 euro par seconde. Et puis avec tous ses sponsorings, c'est encore plus élevé. Il est donc devenu milliardaire à 37 ans l'année dernière. Mais là où LeBron est très intelligent, c'est que lorsqu'il négocie des contrats avec les marques, il négocie aussi des parts de l'entreprise. Au début des années 2010, McDonald's lui propose une offre alléchante de 15 millions de dollars sur 4 ans. Mais LeBron voit le long terme et décide d'investir 1 million de dollars dans la petite marque de pizza Blaze Pizza. Et c'était un bon move, parce qu'aujourd'hui, Blaze Pizza pourrait lui rapporter plus de 35 millions de dollars. Le King a aussi acheté 2% du club de foot de Liverpool en 2011 pour 6,5 millions de dollars. Et devine quoi, ces 6 millions valent maintenant 100 millions de dollars. Ça fait un assez gros bénéfice. Avec l'argent gagné grâce au basket ou grâce à ses investissements, LeBron sait se faire plaisir. Il peut porter des costumes à plus de 78 000 dollars, possède une collection de montres estimée à plus de 1,2 million de dollars, ou encore une collection de voitures estimée à plus de 6 millions de dollars. Mais là où il a le plus dépensé d'argent, c'est dans l'immobilier. En 2003, juste après la draft, il achète cette dinguerie. Dans cette maison, on peut y retrouver un bowling, un cinéma ou encore un aquarium géant. Mais son envie d'acheter des maisons venait tout juste de commencer. Il a ensuite acheté une maison à Miami, plusieurs maisons dans le même quartier à LA, et tout ça lui a coûté plus de 100 millions de dollars. Alors oui, il se fait plaisir, mais le King fait aussi énormément de dons caritatifs. Il est ultra reconnaissant de sa ville natale et a créé une association, la LeBron James Family Foundation, qui fait beaucoup d'actions pour les enfants des quartiers défavorisés. En 2018, il a ouvert la High Promise School, une école totalement gratuite pour les enfants d'Akron. LeBron James et sa fondation s'engagent à financer intégralement les frais de scolarité des élèves,
mais également pour l'université d'Akron et tous ceux qui finiraient le programme. Et les parents d'élèves peuvent également suivre des cours afin de terminer leur cursus secondaire. LeBron a dépensé des dizaines de millions de dollars pour cette école et c'est clairement une réussite. Durant l'été 2018, un des plus gros transferts de l'histoire va avoir lieu. LeBron décide d'aller jouer chez les Los Angeles Lakers. Ce choix a beaucoup été critiqué, mais personnellement, je pense pas que ce soit un mauvais choix. LeBron avait beaucoup apporté à Cleveland, il était temps de tourner une page pour relever de nouveaux défis sur les traces de Kobe Bryant. Les Lakers ne sont pas allés en playoff depuis 2014 et en signant LeBron, mais aussi Rajon Rondo ou Lance Stephenson, ils affichent clairement leur intention. Malheureusement, après plusieurs blessures lors de cette saison, l'équipe ne participe pas aux playoffs, ce qui marque la première absence de LeBron James en série éliminatoire depuis 2005. Après une année mitigée, les Lakers ont vraiment pour intention d'aller chercher le titre. LeBron a pu prendre ses marques, et le début de saison le confirme. Ils font le meilleur début de l'histoire de la franchise avec un 17-2 qui laisse présager de bonnes choses. Mais malheureusement, cette année va être marquée par l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de la NBA. Kobe Bryant décède avec sa fille dans un accident d'hélicoptère. Nous, on était hyper choqués alors qu'on connaissait pas Kobe personnellement, alors imagine les joueurs NBA et surtout LeBron James. Ils avaient une relation unique, partagée entre rivalité et complicité. Kobe est arrivé en NBA un peu avant LeBron, mais dès que le King est arrivé, ils sont devenus rivaux. Mais des rivaux bienveillants. Les deux étaient les leaders de leur franchise et avaient soif de trophées. Quand LeBron a appris le décès de Kobe, il était dévasté. Il avait perdu un rival qui était son frère, un rival qui lui a permis de progresser et de devenir le joueur qu'il est. Le 1er février 2020, au Staples Center, LeBron s'adresse à toute la salle en hommage à Kobe avec un discours très touchant. Kid that came here at 18 years of age, retired at 38, and became probably the best dad that we've seen over the last 3 years, man. Le deuxième fait marquant cette année, c'est quand la saison a été interrompue en mars à cause du Covid. Elle a repris plus tard dans la bulle d'Orlando en juillet. Dans cette saison un peu chamboulée, les Lakers arrivent tout de même en finale contre Miami et s'imposent 4-2 contre le Heat. LeBron remporte sa 4e bague NBA et également le titre de MVP des finales. Le King est donc le seul joueur de tous les temps à avoir gagné un titre de MVP des finales dans 3 équipes différentes. Cette année, LeBron va repousser ses limites avec pour objectif d'aider son équipe à atteindre de nouveau les finales NBA. Et cette saison fut une nouvelle fois historique, car il a atteint une moyenne de 30 points par match. Avec de telles stats, LeBron est le seul joueur de l'histoire de la NBA avec au moins 30 000 points, 10 000 rebonds et 10 000 passes décisives. Le King détient également l'un des records les plus impressionnants de l'histoire de la NBA. Il possède le plus grand nombre de matchs d'affilée avec plus de 10 points par match sur 1096 matchs. Sa régularité est juste effrayante. Mais ce qu'il a encore plus, c'est qu'il a passé plus de jours de sa vie sur un terrain NBA qu'en dehors. Le mec est vraiment fait pour ça. C'est aussi cette année-là qu'il a le rôle principal du film Space Jam 2. Une réponse originelle au film de Michael Jordan ? Ah là là, qu'est-ce qu'il est fort ce LeBron. À la fin de son contrat avec les Lakers, le King deviendra le joueur le mieux payé de tous les temps en NBA, avec plus de 350 millions de dollars gagnés sur les parquets. Mais une grande partie de l'argent qu'il a gagné a été réinvesti dans son corps. À 37 ans, son éthique d'entraînement a payé, et s'il a réussi à être aussi constant, c'est en partie grâce à ça. Il dépense chaque année plus de 1,5 million de dollars pour s'entretenir. Déjà, faut savoir que depuis le début de sa carrière, LeBron n'a pas hésité à investir dans des appareils de récupération. Et comme pas mal de ses investissements, ça a été payant. Il a par exemple acheté des machines de cryothérapie. Tu sais, ces espèces de cabines où il fait moins 100 degrés. Il s'en sert pour réduire les douleurs aux articulations ou pour favoriser la circulation du sang. Il a aussi des bottes de pressothérapie ou ce genre de cabine assez chelou qui favorise aussi la circulation du sang. En gros, ça lui permet de super bien récupérer après ses matchs. Et en fait, la récupération, c'est là-dessus qu'il insiste. Le King essaye d'avoir un minimum de 8 heures de sommeil par nuit et a également engagé des masseurs, kinés et profs de yoga. Niveau entraînement, c'est un acharné du travail. La plupart des joueurs NBA profitent de la trêve estivale pour partir en vacances ou voir leur famille, mais LeBron, au contraire, profite de cette période pour entraîner son cardio et son physique. Il est aussi suivi par tout un staff qui le conseille le mieux possible. Par exemple, il a engagé Ronnie Raymond, un spécialiste du mouvement humain, pour apprendre à gérer ses sauts et ses réceptions, et donc pour préserver ses articulations. Enfin, niveau alimentation, il est aussi super strict et a un groupe de chefs qui est chargé de lui faire à manger tous les jours, même s'il sait se faire plaisir comme on le voit dans ses stories Instagram. It's Taco Tuesday! LeBron est à un niveau incroyable, mais on voit que c'est le résultat d'un travail long et intense qu'il a commencé il y a bien longtemps.
Ah, on n'a pas parlé de ses chaussures. Cette année, le King a sorti la LeBron 20. C'est assez fou de se dire qu'il a 20 paires totalement différentes, surtout qu'elles ont un succès fou. LeBron ne veut pas juste faire de l'argent avec ses sponsors, mais aussi véhiculer des valeurs positives comme l'égalité ou la tolérance. Il partage ce que le basket lui a apporté et montre que dans le sport, tout le monde est pareil, quelle que soit la religion ou la couleur de peau. Et ce message, il le véhicule aussi à travers ses paires de chaussures. Cette année, le début de saison n'est pas incroyable. Ils sont peut-être un peu perturbés par la blessure de LeBron en début de saison et par le changement de coach de l'été dernier. Mais la saison est loin d'être terminée. Il vient de scorer 40 points au Christmas Day et LeBron est actuellement à 27 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne. On sait jamais, il pourrait peut-être se qualifier en playoff et pourquoi pas aller chercher sa 5ème bague. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais le King a des moyennes de 27 points, 8 rebonds et 8 passes décisives par match sur ses 20 ans en NBA. Il a marqué plus de 37 000 points en carrière, ce qui fait de lui le deuxième meilleur marqueur de l'histoire, juste derrière Kareem Abdul-Jabbar. Il est le 6ème meilleur passeur et également le 9ème joueur avec le plus d'interceptions de tous les temps. LeBron a marqué l'histoire de la NBA comme aucun autre joueur auparavant et son impact ne se résume pas qu'au basket. LeBron James a 38 ans aujourd'hui. Et oui, c'est son anniversaire. Il est en contrat jusqu'en 2025 avec les Lakers et je ne sais pas quand il va prendre sa retraite. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il partira, il va laisser un grand vide. Parce que LeBron, c'est un joueur qui ne laisse pas indifférent. C'est un joueur qui a fait du combat et du travail ses principales raisons de vivre. C'est un joueur qui a fait avancer le basket et avancer la place des sportifs dans la vie sociale et politique. C'est un joueur qui a marqué l'histoire de la NBA et du sport en général. Il m'a inspiré, m'a motivé, et pour moi, c'est tout simplement une légende. Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for it? Bring me to my knees. I'm so stupid, would you tell me honestly if I wasn't meant to be what I see when I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell?